Salut, on s'appelle Car Vegans. Le groupe, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. On fait aujourd'hui une trentaine de concerts par an à peu près. On souhaite vraiment développer cette activité-là, toujours en autonomie et en autoproduction. Aujourd'hui, Car Vegans, c'est 4 albums. On travaille actuellement sur un prochain album pour 2017. À suivre. J'aime bien l'essence. Bien l'essence. Pour la composition, on part des idées initiales de Guinou et quand on se retrouve tous ensemble pour répéter, on développe l'arrangement, les différentes parties afin que le morceau soit le plus efficace possible. Sur ma passion, non, ma passion c'est la musique. La lecture, du bateau, il y a plein de trucs à faire. Mater des séries. Pour l'écriture des textes, on s'inspire de notre quotidien. On essaie d'écrire des petites histoires qui racontent ce quotidien avec ses petits bonheurs, ses petits tracas. Et on y ajoute de l'ironie et aussi beaucoup d'humour. T'as besoin d'un massage? Oui, j'ai mal au cou. Ah, au cou? Mais Marie, elle a coupé le cou, alors je laisse... Oui, c'est pour ça que t'as le coussin sur les genoux, ouais. Bien sûr. Moi, je vais me faire pousser des tomates au milieu. Ça va être ça? Oui. Et la végétaline. On finalise les morceaux pour un album qui sortira, un cinquième album qui sortira courant 2017. On est en train d'établir, de projeter la nouvelle tournée et de trouver de nouveaux partenaires. Ah, il a fermé la bouche. Les mâchoires ont claqué. Sortir en terrasse avec les amis. Putain. J'aime boxer, faire du kick. Ça, c'est un hobby. Musicalement, on part d'une base rock, une base batterie-guitare, à laquelle on associe des instruments plus acoustiques et traditionnels, donc le violon, la bombarde, le saxophone, les flûtes, etc. Donc ça nous donne vraiment un mélange, une fusion entre le rock et le celtique, un peu dans la lignée des dropkicks, des pogs, mais avec un côté très rock français, un peu à la nordaise. C'est le rangement. J'aime bien quand tout est bien rangé. Je collectionne les strings de concert. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en 10 ans de concert, j'en ai pas un seul. C'est bon, c'est bon.